De là où le stationnaire est du vent de sud ce midi sur la Canoro, bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable, agréable, une température extérieure à 12 degrés, ressenti 13 à 14 degrés. Dans l'eau, c'est du 12 degrés. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 14h15 avec des coefficients de 63. Et sur cette descendante, le vent est side shore, il est sud, sud-sud-est. Il est soutenu, à modéré à soutenu. Il y a 3 beauforts établis, des rafales à 4, presque 4 beauforts établis, un plan d'eau fripé rivé. Du clapot sur le large, les phases de bas qui sont lisses, c'est toujours cette houle qui est massive, détonnante, impressionnante, sectionnée, longue avec 16 à 17 secondes de période. Une houle qui était relevée en toute fin de nuit sur la bouée Arcachon-Gascogne, il y a 4,80 m et 13 secondes. Et qui donne des vagues massives. Il y a 2,50 à 3 mètres en déferlement régulier, 3,50 à 4 mètres aussi rigides. Je ne sais pas si des fois il n'y a pas un peu plus parce que c'est vraiment massif avec des houles, des lignes impressionnantes. Bon, un bon 4 mètres, je ne suis pas allé mesurer, hein. Là je n'irai pas. Première, je ne peux pas, je suis incapable, je n'ai pas les capacités. Il n'y a personne à l'eau. L'évolution pour le reste de la journée, la bouée Cachon-Gascogne est à la baisse à 3,80 et 12 secondes. Ça va très légèrement baisser, hein. Il y aura à peu près la même taille pour la fin de journée, avec du vent qui va se calmer. Les prévisions à 13h, c'est 3,4. Ou d'ouest à ouest-sud-ouest, avec 16 secondes de période, vent de sud à 4. Et à 17h, il y aura, à mon avis, encore 3,4. Ou d'ouest à ouest, en légère baisse. Ou d'ouest à ouest-sud-ouest, 15 secondes de période, vent de sud de 3. Pas de surf et pas d'action. Seule option, la mobilité. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouvera demain matin avec les cadeaux de Noël. Là où l'on